Finalement, c'était pas une très bonne idée de visiter les salles aujourd'hui. Bon, ça a quand même bien été. J'ai même pas vu les deux premières places. Elle voulait même pas sortir de l'auto. De toute façon, t'es pas aimé ces salles-là. Oui, je veux voir Geneviève. On va l'appeler en arrivant à la maison, OK? OK. Bien mangé? Oui, ouais. Merci, c'est excellent. J'ai peut-être une idée pour vous autres. Vous pourriez faire votre réception de mariage ici? Ah! Peut-être? Ben oui. Ben, c'est assez grand et intime en même temps, puis il y a le piano en plus. Mm-hmm. Oui, tu veux le piano? Non, désolé, Flavie, non, mais je sais pas. Ah, si je me souviens bien, Pierre, si je jouais du piano, lui. Quoi? Tu sais jouer du piano? La vache à Mayotte, oui. Connais-tu ça, la chanson « Elle est morte, la vache à Mayotte », non? Ah ouais, Pierre, joue-nous ça, là. Je plan vider le restaurant. J'ai pas touché à ça depuis l'adolescence. Elle est morte, la vache à Mayotte. Elle est morte, la tête dans le... André. Il y a un problème? Oui, quelques-uns. Assieds-toi. Je l'avoue, là, je me suis pas mêlé de comptabilité depuis que je suis revenu. C'était pas dans mes tâches et Antonin avait l'air en contrôle, mais là, je me rends compte que c'est pas le cas. Tu devrais parler de ça à Pierre, moi, la comptabilité. Non, mais c'est pas de comptabilité comme telle que je veux te parler. C'est, délicat. Il y a un des gros placements de la fromagerie qui a été retiré. Et une sortie d'argent comme celle-là, ça ressemble étrangement à celles qui ont déjà été faites par le passé. Quand mon père faisait la comptabilité ici, puis que j'avais des dettes de jeu. C'est ça que tu penses? Que j'aurais osé demander à Antonin de m'avancer de l'argent de la compagnie pour régler des dettes de jeu? Je sais que c'est délicat, c'est pour ça que je te... Depuis la mort de ma petite Elsa, je ne joue plus. Si c'est pour te venger parce que je te pardonne pas de ce que t'as fait à ma fille, même si vous êtes revenus ensemble, je trouve ça bien bas, Maxime.